Bien, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Donc vous êtes ici dans le grand amphi de l'Université de Nantes. Je suis ravie de vous accueillir et très honorée d'accueillir Christiane Taubira chez nous à Nantes. Vous êtes dans le cadre d'un partenariat que nous avons noué, voilà ceci maintenant 2 ans, entre la librairie Coiffard et l'Université permanente, donc l'Université de Nantes. Ça nous permet d'accueillir des personnes remarquables. Je n'en dirai pas plus et à vous maintenant. Et merci. Quelle sobriété. Merci, madame la directrice. Merci. Bravo. Merci vraiment. Bonjour à tous et merci de votre présence en nombre. C'est un honneur pour moi d'avoir animé cette conférence et c'est assez impressionnant. Alors, privilège de grandes figures qui nous accompagnent par écran et poste radio interposés depuis l'OTAN et qui nous paraissent de ce fait familières. On m'a dit, Madame Taubira, qu'il n'était pas nécessaire de vous présenter pour laisser le plus de place possible au débat et à la discussion. Alors, Madame Taubira, sans revenir donc dans le détail de votre riche parcours, l'image que chacun associe à vous, c'est l'engagement continu pour l'égalité. Et pour un mot parfois perçu comme désuet, la République, les valeurs et les espoirs que porte ce cadre de la nation. Alors, ce que chacun associe à vous, c'est aussi, bien sûr, ce souffle, ces discours d'une rare intensité auxquels vous avez réhabitué en tant que député et ministre de la Justice les travées de l'Assemblée nationale où vous avez porté haut le débat et dû ferrailler pour faire aboutir réforme emblématique du quinquennat, le mariage pour tous. Alors ferrailler, on s'en souvient, face là aussi à des oppositions parfois rageuses. Et c'est une nouvelle fois pleinement engagé que nous vous retrouvons dans le nouvel ouvrage que vous venez de publier et donc intitulé « Nous habitons la Terre ». Un livre où sourde partout l'irritation et l'indignation face au monde tel qu'il va. Alors, par ce livre, publié dans une période bien confuse, le mot est peut-être faible, une période un peu dangereuse aussi, vous appelez à mettre des mots sur les mots, M-A-U-X, et à poser des concepts en recourant notamment aux enseignements de grandes figures, des références culturelles et littéraires qui sont partout dans votre ouvrage. Brecht, Condorcet, Hugo, Césaire et bien d'autres sont convoqués pour nous aider à comprendre le monde en vue, bien sûr, d'un sursaut. Alors, pour expliquer que la France, l'Europe et finalement le monde ne tourne plus rond, vous pointez de nombreux éléments. Je n'en citerai que quelques-uns. Vous citez notre accommodement au désarroi, une impuissance politique et les préemptions tonitruantes sur les institutions. Vous citez la place prise par la vulgarité, l'usage aussi d'un vocabulaire particulièrement anxiogène, notamment ce mot de crise utilisé ad nauseam depuis des décennies, et imposé en mode structurel de fonctionnement pour maintenir les populations dans un état de tension permanente. Alors, Madame Taubira, de tous ces éléments ou d'autres, quels sont, d'après vous, les plus graves empêchants que notre Terre et ses potentialités profitent à tous ? Nous allons commencer avec cette question ouverte. Je veux d'abord vous remercier très très chaleureusement pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'y suis extrêmement sensible à votre présence nombreuse, en sachant que chacun d'entre vous est vraiment une personne et mon regard va circuler pendant tout le temps que nous allons passer ensemble. Merci d'être présent un samedi après-midi. Merci à madame la directrice de l'Université permanente et d'avoir organisé, donc, et à toute son équipe d'avoir organisé cette rencontre un samedi. Vous les saluerez de ma part.
Que faire de l'état du monde actuellement et comment rendre le monde plus habitable? Parce que c'est un peu ça, mon obsession et mon inquiétude, c'est un peu ça, la source de mon intranquillité permanente, une intranquillité qui est d'autant permanente que moi-même je l'entretiens délibérément, c'est-à-dire que je vais ne pas la laisser s'assoupir. Et si jamais je sens que je me replie un peu et que je passe plus de temps dans le plaisir de la lecture, de toutes les formes d'expression culturelle et artistique, que je me dis, bon, maintenant, moi, il faut aller vers les autres. Donc, voilà, j'entretiens cette intranquillité au contact de vous, des personnes bien charnelles. Le monde nous présente des maux considérables, mais le plus terrible, ça n'est pas tellement les maux du monde. Je crois que toutes les générations ont vécu des moments difficiles. Notre génération a peut-être vécu une parenthèse longue de paix et de tranquillité, de perspectives linéaires, c'est-à-dire où on projetait sa propre vie, la vie de ses enfants. Nous avons vécu ainsi et aujourd'hui nous sommes un peu brutalement rappelés au désordre du monde. Que faire pour que le monde soit plus habitable en France, en Europe et dans le monde, et vivre, exister nous-mêmes, vouloir et exister en tant que sujet de droit, en tant que personne, en tant qu'individualité. Donc exister en tant qu'individualité, ça suppose la capacité à se raccorder aux autres et à conduire des actions communes. Je crois profondément à l'action commune, c'est le sens de mon engagement politique. Je crois profondément aux actions collectives, je crois profondément à la magie de ce que produit l'intelligence collective au sens de la capacité à mettre ensemble des opinions différentes. Je l'ai pratiqué très directement en tant que garde des Sceaux. Les grandes réformes que j'ai faites, je l'ai dit, sont des réformes intelligentes. Et je le redis, alors en général, je laisse des points de suspension. J'attends la réaction. Et j'ajoute qu'elles sont intelligentes parce qu'elles ne sont pas sorties de ma tête, mais qu'elles ont été produites par une dynamique que j'ai organisée en mettant ensemble des personnes qui ont des expériences différentes, des parcours différents, des avis parfois très tranchés différents, mais qui ont cette capacité de dialogue et qui ont accepté l'exercice de se mettre ensemble, de travailler ensemble sur un sujet et de produire. Donc la réforme pénale a été produite par une conférence de consensus, donc vraiment par de l'intelligence collective. La réforme civile que j'ai faite, qui modernise vraiment notre institution judiciaire et qui va donner des résultats sur de longues années, est aussi produite par intelligence collective. Donc les grandes réformes que j'ai faites ont vraiment mûri dans le bouillon, dans le bain de nos intelligences particulières lorsqu'elles sont mises ensemble. Et c'est cela la clé. C'est ça la clé des désordres du monde. C'est ça qui nous sortira des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, aussi bien à l'échelle du pays qu'à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle du monde. C'est vraiment notre aptitude à partager ce que nous savons et ce que nous comprenons du monde, de façon à ce que ce partage nous conduise à le lire. Nous sommes d'autant plus impuissants que le monde nous est inintelligible. Si nous parvenons à rendre le monde intelligible, nous retrouvons une capacité d'action. Nous retrouvons des lieux et des possibilités d'initiative. Et à partir de là, franchement, rien n'arrête la force que représentent des personnes qui décident de rendre le monde habitable. De la même façon que rien n'arrête la force d'énergie malfaisante, en tout cas malveillante, pour détruire. Si les énergies se rassemblent pour rendre le monde habitable, rien n'arrêtera ça. Et en plus, c'est réconfortant à l'échelle individuelle, ça donne de l'épaisseur à des vies personnelles, ça rapporte, osons-le, du bonheur, quoi. Ça rapporte du bonheur de vivre avec les autres, de sentir qu'on vit avec les autres, d'intensément intérioriser le fait de croire en des choses équivalentes et en tout cas aux mêmes choses, même si elles sont formulées différemment, et de faire ensemble.
Alors ce partage vers lequel vous appelez à aller, on en est encore un petit peu loin, et un des éléments du désordre du monde que vous, sur lequel vous revenez et sur lequel vous insistez dans votre ouvrage, c'est l'existence de doubles standards permanents. Vous mentionnez le fait qu'en France, notamment, on accuse souvent les populations fragilisées de frauder, par exemple, au RSA, alors qu'aux puissants, qui font de l'évasion fiscale, aux puissants qui font de l'évasion fiscale, là, on pardonne tout, tout leur est excusé. Le livre a été écrit avant. Il y aura beaucoup de passerelles avec l'actualité. Le monde est devenu très dur. Il est devenu de plus en plus dur, il est devenu impitoyable, vis-à-vis des personnes ordinaires, vis-à-vis des faibles, vis-à-vis des personnes vulnérables. Le monde est de plus en plus inégalitaire. Nous n'avons jamais connu une telle accumulation de richesses matérielles, ni une telle accumulation de connaissances et de savoirs. Et en même temps, le monde est devenu extraordinairement inégalitaire. C'est pour ça que je pense que l'égalité, c'est vraiment l'ambition la plus moderne que l'on puisse concevoir. L'égalité au sens d'accès au savoir, reconnaissance, d'accès aux soins, d'accès à tout ce qui fait l'autonomie de l'individu, d'accès aux droits, d'accès à toute une série de services, notamment grâce aux services publics. Donc nous sommes dans un monde très paradoxal, puisqu'il y a cette accumulation de richesses, il y a en même temps cette forte concentration de richesses, je parle des richesses matérielles, en même temps il y a cette grande accumulation de savoir, de connaissances, et cette forte circulation de savoir, de connaissances. Et en même temps, il y a cette brutalité croissante, il y a cette férocité vis-à-vis des faibles, vis-à-vis des personnes vulnérables, et puis il y a cette complaisance vis-à-vis des nantis, vis-à-vis des puissants. Je ne m'en accommode pas, et je sais que nous sommes nombreux, et nous sommes plus nombreux sur Terre, en France, en Europe, dans le monde, nous sommes plus nombreux à ne pas nous en accommoder. Sauf que nous ne savons pas par où prendre les choses. J'évoque effectivement, d'une phrase quand même, le fait que vous avez des politiciens démagogues qui poussent des hauts cris sur la fraude au RSA. Oui, il y a de la fraude au RSA. 200 millions d'euros estimés par ceux qui ont expertisé cette fraude. Et puis, il y a l'évasion fiscale, mais on n'en entend pas parler tant que ça, l'évasion fiscale. Elle concerne environ 80 milliards d'euros. Donc, je veux dire, même si on n'a pas d'empathie pour les pauvres... Alors, donc, oui. Voilà. Il y a des périodes, peut-être, je n'en sais rien, il y a des périodes où ça serait supportable. Je trouve que dans des moments où on voit bien que dans le monde, tous les enfants, toutes les petites filles, tous les petits garçons ne vont pas à l'école, où on voit bien le sort qui est fait à des femmes dans de très nombreux pays, où on voit bien que la famine progresse, où on voit bien que des maladies qu'on a vaincues, que la recherche et la médecine ont vaincues, sont des maladies qui tuent encore dans certaines parties du monde. Lorsqu'on voit comment on demande de plus en plus d'efforts à ceux qui sont un peu au milieu de l'ensemble, on appelle un peu rapidement les classes moyennes. On ne peut pas dormir tous les soirs en sachant qu'il y a des gens qui font de l'évasion fiscale, qu'il y a des gens qui utilisent leur intelligence, leur finesse, parce que c'est vraiment une délinquance d'ingéniosité. Ce sont des malins. Donc, ils commencent par étudier les lois de la façon la plus exhaustive possible. Donc, ils en cherchent les interstices. Ça permet de faire l'optimisation fiscale. C'est légal. Bon, c'est malsain, mais c'est légal. Et puis, au-delà des interstices de la loi, ils contournent la loi. Ils échappent à la loi. Moi, je n'arrive pas à dormir tranquille en sachant ça. Donc, ce n'est pas bien de frauder à l'allocation familiale. Ça n'est pas bien. Mais ça n'est pas ça qui appauvrit l'État. L'État aurait bien besoin de ces 80 milliards. Moi, je sais, au ministère de la Justice, ce que j'en aurais fait. De 10%. De 10%. Donc, voilà. Donc, il est insupportable à un moment où on constate qu'il y a une
raréfaction des ressources budgétaires publiques où on demande des efforts aux citoyens, il est absolument insupportable de savoir qu'il y a des personnes qui tranquillement, en circulant librement en ville, en allant dans des dîners, en étant bien habillées, il n'y a allusion à rien du tout, qu'il y a des personnes qui... c'est vraiment une période où c'est juste l'idée même est insupportable. Donc il faut combattre ça, il faut le dire, pour le combattre, il faut le dire. Il faut nous armer aussi, vous savez que j'ai créé un parquet financier national. Le dernier citoyen qui pouvait ignorer l'existence de ce parquet financier national, c'est Jean-Cy. À l'information, c'est Jean-Cy, voilà. Plus la loi du 6 décembre 2013 qui punit très sévèrement toutes les atteintes à la probité, c'est-à-dire toutes les corruptions, le clientélisme, le favoritisme, les tricheries dans les marchés publics, enfin vraiment les délits boursiers, toutes les atteintes à la probité, avec des magistrats de grande qualité qui savent pouvoir compter sur leur indépendance, donc qui savent pouvoir traiter les procédures en impartialité. Je suis pour l'impartialité de la justice, même pour les puissants, et vraiment sans aucun problème dans ma tête. La justice doit être impartiale. Un puissant ne doit pas être puni parce qu'il est puissant. Il doit être puni pour les fautes qu'il aurait commises. Donc la justice doit vraiment être impartiale, et il faut qu'elle puisse non seulement disposer de cette impartialité, mais de la donner à voir de façon à que les citoyens aient confiance dans leur justice, parce qu'une démocratie est fragilisée lorsque les citoyens n'ont pas pleinement confiance dans leur justice. Alors un des éléments que vous martelez tout au long de votre ouvrage aussi, c'est la responsabilité collective de chacun d'entre nous face au désordre du monde. Et vous prenez l'exemple du traitement réservé aux réfugiés, qu'on connaît en France et dans une grande partie de l'Europe. Vous citez Aimé Césaire pour caractériser cette situation des réfugiés et la façon dont ils ont été traités. La malédiction la plus commune est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur a porte. Alors là aussi, vous dites donc qu'il est temps d'agir. J'en profite d'ailleurs pour saluer ceux qui sont ici et qui se sont occupés dans la région nantaise des réfugiés. Il y en a quelques-uns. Que peut-on faire maintenant, aujourd'hui, sur cette question? Alors, c'est vrai, ce livre s'appelle « Nous habitons la Terre » parce que constamment, je nous ramène au monde. Je nous ramène au monde pour une raison toute simple, c'est que nous sommes dans le monde et que nous vivons en présence du monde. Nous vivons une période où le monde est à la portée de chacune de chacun. Donc ça veut dire que nous pouvons aller vers le monde, mais que le monde vient vers nous aussi. Donc cela s'exprime, par exemple, à l'échelle individuelle, par la compétition qui circule à travers le monde et qui vient trouver nos gamins dans leur propre pays, dans leur ville. Cette compétition, elle vient parce que des personnes qui ont des qualifications supérieures ou les mêmes qualifications circulent librement et se retrouvent en compétition. De la même façon que nos gamins peuvent eux aussi aller ailleurs et s'ouvrir à l'ensemble du monde, multiplier les expériences, s'enrichir, grandir très vite, tout en conservant leur innocence, j'espère, et revenir éventuellement enrichis de ces expériences-là. Donc, nous vivons en présence du monde. Et il est bon que nous en ayons conscience. Parce que de toute façon, le monde nous rattrape. Donc ça ne veut pas dire que nous n'existons plus en tant que nation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis urgents à régler à l'échelle européenne. Mais ça veut dire que de toute façon, tout cela doit trouver des chemins avec, en conscience, la présence du monde. C'est pour ça que je nous ramène constamment au monde. Et le monde vient vers nous, y compris par les personnes réfugiées. Et la parole politique qui consiste à dire « nous allons construire des murs », consacre plusieurs lignes, même des pages, je crois, aux murs. « Nous allons construire des murs, nous allons fermer nos frontières, nous allons endiguer ces flots massifs, ces flux incontrôlables, etc. Nous allons les tenir à bonne distance », c'est une parole complètement irresponsable. Elle est indigente, elle est bête, elle est impuissante. Donc elle ne sert à rien. Il faut que ces gens-là évacuent la scène. Elle ne sert à rien. Elle ne nous apporte aucune solution, aucun réconfort, aucune tranquillité. Il nous faut faire face à l'état du monde. Et l'état du monde, c'est que les circulations humaines ont recommencé et de façon massive. Je mets des guillemets à massive parce que je consacre aussi un chapitre aux mots et à l'importance des mots et à ce que les mots transportent.
Et le mot massif, lorsqu'il concerne les réfugiés, est devenu un mot péjoratif. Hein. Ce sont les flots qui viennent nous submerger, c'est le grand remplacement. Hein. Nous allons tous nous retrouver dans le fond de la mer et ils vont occuper nos jolies maisons. Donc je mets des guillemets à massif parce que le mot est en train de se transformer en ce moment. Mais c'est une réalité, les circulations humaines sont en train de reprendre. Et lorsque nous regardons l'histoire du monde, le temps durant lequel les femmes et les hommes ont circulé, des enfants, est plus long que le temps de sédentarisation. Donc, il faut faire face à ça. Pas la peine de se précipiter sous la table. Ça ne protège personne. Donc, comment nous regardons le fait que les circulations humaines sont en train de reprendre ? Quelles sont leurs sources ? Quelles sont leurs causes ? Alors, on entend des paroles politiques qui nous disent qu'il faut distinguer les réfugiés qui fuient la guerre, des réfugiés économiques qui viennent chercher un emploi. Et bon, attendez. Quand on fuit parce que c'est juste pas tenable sur place. Et qu'on n'est pas encore mort. Parce qu'on en laisse plein de morts, y compris de famine, hein, sur les digressions économiques. Donc, il y a les guerres. Et les guerres, on ne peut pas juste les regarder à la télévision. On ne peut pas juste les regarder à la télévision. Parce qu'elles sont aussi le produit de l'état du monde. Elles sont le produit de l'état, de l'absence de décisions politiques ou de mauvaises décisions politiques. Elles sont le produit d'une organisation multilatérale, l'Organisation des Nations Unies, qui s'est installée confortablement dans une impotence durable. Donc, ces foyers de guerre qui se multiplient, qui s'intensifient, ces zones d'instabilité nous concernent aussi, et aussi d'ailleurs parce que nous vendons des armes, hein, aussi. Bon. Donc, nous sommes obligés de regarder ça. Nous sommes obligés de regarder ça et d'y faire face. Donc, nous ne pouvons pas nous considérer comme innocents de l'état du monde. Nous avons une part dans l'état du monde. Et même si nous n'y avions pas de part, nous sommes dans le monde, il faut regarder ce que nous faisons de ces circulations de personnes, de femmes et d'hommes. Donc moi aussi, je salue les personnes qui tendent la main aux réfugiés, parce qu'en tendant cette main-là, nous affichons notre humanité. Et les réfugiés nous interpellent sur cette humanité, sur qui nous sommes, sur qui nous avons construit d'être collectivement. Ce que nous sommes devenus à travers les luttes de génération, les combats, à travers ces idéaux qui placent la personne, l'être humain, au centre des actions, que ce soit des actions économiques, que ce soit des actions militaires aussi, d'ailleurs, qui placent l'être humain au centre de la pensée, de la réflexion et de l'organisation de la société, de l'organisation du monde. Donc nous sommes interpellés sur notre humanité. Est-ce que notre humanité se limite à notre confort matériel et à des égoïsmes que nous pouvons expliquer, justifier ? Nous pouvons dire, moi je travaillais pour ça, je me suis endettée, j'ai payé pendant des années, je vois pas pourquoi je vais accepter par exemple que mon patrimoine perde de la valeur parce que dans ma rue on veut installer un centre pour réfugiés. On peut raisonner, c'est un raisonnement qui est audible ça. Bon, on est juste quelqu'un, quoi. Et puis, on peut se dire, c'est quand même moche, hein, ils auraient pu aller ailleurs, hein. Mais enfin, je ne vais pas les laisser crever. Donc, je perds un peu de patrimoine. Mais enfin, je ne vais pas les laisser perdre leur vie. Et c'est en ce sens que nous sommes interpellés dans notre humanité. Elle dépasse notre capacité d'accumulation matérielle, elle dépasse notre attachement à des biens, qui n'est pas d'ailleurs seulement un attachement froid, qui est parfois un attachement très sentimental, très affectif. L'humanité, elle dépasse tout cela, et nous sommes interpellés sur cela. Donc effectivement, la question des réfugiés est une question centrale, majeure et durable. Nous devons comprendre qu'elle est durable. Voilà. Ce n'est pas en construisant des murs, ce n'est pas en tournant le regard, en détournant le regard, ce n'est pas en faisant des déclarations martiales à la télévision, que nous allons arrêter cette dynamique dans le monde. Elle est. Et comme je rappelle dans le livre, le plus grand nombre de personnes déplacées sont déplacées chez eux. Le plus grand nombre de personnes réfugiées sont réfugiées dans une autre partie de leur propre territoire ou dans les pays voisins. Et ce qu'on appelle les pays du Sud, notion géographique, aussi géopolitique, mais là, je la retiens comme notion géographique.
Ce qu'on appelle les pays du Sud sont les lieux où se retrouve le plus grand nombre de réfugiés. Donc, nous avons cru mourir l'année dernière parce qu'il est arrivé en Europe 1 million de personnes réfugiées, des femmes, des hommes, des enfants. Des gens qui ont suffisamment de force, d'énergie, de volonté de vivre pour mettre un pied devant l'autre, s'engager sur les routes du monde, aller à l'aventure avec des désirs puissants. Je veux atteindre la France, malheureusement ils ne sont pas les plus nombreux. Je veux atteindre l'Angleterre, je veux atteindre l'Italie, etc. 1 million. Nous avons cru devenir fous. C'est impossible. Comment allons-nous survivre à cela? 1 million en Europe. Hein? 500 millions d'habitants en Europe. 1 million, nous devenons fous. Il y a 69 millions de réfugiés dans le monde. Je répète, la plupart d'entre eux sont dans les pays du Sud. Est-ce que le monde s'écroule? Par contre, il y a quelque chose qui, effectivement, s'enlaidit, s'affadit, rétrécit. C'est notre humanité. C'est notre humanité. Et si nous ne savons pas voir l'humanité de l'autre, la voir suffisamment clairement pour savoir que nous pouvons lui tendre la main, nous mettons notre propre humanité en danger. Ce n'est pas notre confort matériel qui va nous sauver. Ce ne sont pas juste des lapins qui ont envie d'une cage confortable. Nous sommes des êtres humains, la pensée, la confiance, la conscience, la pensée, la capacité de se projeter, l'aptitude à lire son histoire, à extirper de cette histoire des enseignements, justement pour éviter les rechutes inutiles. C'est ça qui fait notre humanité, pas seulement le confort que nous savons nous construire. Voilà, donc oui, les réfugiés, la question des réfugiés est une question centrale qui nous renvoie à nous et à nos capacités et à l'immensité de nos cœurs, à l'immensité de nos cœurs. Et ça n'est pas naïf de parler comme ça, à l'immensité de nos cœurs. Voilà, donc on en prend 30 000, on joue les héros, nous sommes 66 millions. Alors face à cette humanité qui rétrécit, pour reprendre vos mots, vous évoquez le rôle du politique et notamment de votre famille politique, la gauche, dont je vous cite, qui ne s'est plus usée de la puissance des mots pour rassembler, créer l'espoir, susciter l'envie et semble même avoir renoncé à penser la vie sociale ou à percevoir le monde. Alors au-delà de ce constat sur la gauche, que répondez-vous à de nombreux jeunes ou moins jeunes, on en connaît tous beaucoup, qui face à cette élection bien particulière qui se déroule, semble se détourner encore davantage de cette politique qui ne sait plus parler et qui, pire encore peut-être que de les dégoûter, les indiffère. Moi, je vais leur dire de s'emparer de leur temps et de leur lieu, au pluriel, de surtout ne pas se retirer. C'est leur temps, c'est leur moment. Donc moi, je dis à la jeunesse, vous êtes mécontents, faites-le savoir, mobilisez-vous, exprimez-vous, présentez-vous. C'est vrai que nous traversons une période funeste. Elle a quelque chose de terrifiant. En même temps, ce livre reste un livre optimiste, d'abord parce que j'ai l'optimisme de la combativité. Je crois que le monde ne nous est pas donné, que la réalité ne s'impose pas à nous, que nous la modelons, que nous la laissons modeler par d'autres. Donc j'ai cet optimisme de l'implication et du combat. Et je crois que la jeunesse est capable de modeler le monde différemment, et en tout cas, elle a le devoir de le faire. Et c'est pour ça que j'ai le souci de lui donner de la matière pour le faire. Après, elle fait, lorsque je parle aux jeunes, je dis, après, vous ferez le monde comme vous voulez. Peut-être que vous le ferez moins bien et moins beau que nous, et ce sera tant pis pour vous. Mais au moins, nous vous permettons de gagner du temps, parce que nous vous donnons de la matière pour comprendre ce monde, pour l'appréhender le plus vite possible, le plus complètement possible, et savoir donc comment le prendre, comment le pénétrer, comment le retourner, comment l'interroger, comment le féconder. C'est à vous d'arriver à faire tout cela. Nous vous donnons les moyens qui vous permettent de le lire le plus précisément et le plus vite possible. Donc moi je crois profondément à tout ça, et tout ça, ça se joue lorsque je parle du monde, je parle de son lieu à soi. On n'agit pas sur le monde autrement que depuis son lieu à soi.
Donc, il faut que la jeunesse s'implique, qu'elle exprime son mécontentement, son inquiétude. Alors, nous avons une responsabilité très lourde, parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons ne nous est pas tombée du ciel. C'est une lente déliquescence qui est en train d'aboutir. J'espère qu'elle est en train d'aboutir, vraiment. Mais c'est une lente déliquescence, c'est la succession de renoncements, d'abandons, de trahisons aussi, des lâchetés, des oublis. C'est ce qui fait que nous sommes dans cette situation où on ne sait plus lire la politique, où on croit par exemple que la gauche et la droite, ça n'existe pas. Dans l'histoire de ce pays, c'est juste inconcevable. C'est juste inconcevable. Il y a des sociétés qui sont construites différemment. Mais la société française, lorsqu'elle a rompu avec la monarchie et de la société stratifiée avec les ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état, lorsqu'elle a rompu à la Révolution avec ça, elle a posé en confrontation le maintien d'une société stratifiée et une société démocratique. Et donc le combat pour la démocratie, la façon de fertiliser l'enseignement des philosophes des Lumières, en vous rappelant que la période des Lumières était une période très 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 animée, très vive, avec beaucoup de débats, beaucoup de controverses, beaucoup de disputes, vraiment avec des visions très très différentes hein, parfois, hein, mais qui recherchaient des choses communes, l'autonomie de l'individu, son dépassement, sa libération par rapport à des contraintes sociales, sa libération par rapport à toute une série de processus d'aliénation, mais ça se disputait intensément. Donc ce que nous pouvons retenir de ces lumières, c'est ces concepts sur la volonté générale, par exemple. Et à la Révolution, donc, il y a cette confrontation entre la société stratifiée avec ses inégalités et la société démocratique où tous les citoyens sont égaux. Et puis, il y a comment faire vivre cette société démocratique où tous les citoyens sont égaux. Suffrage universel, bien entendu, ils sont égaux, ils peuvent tous voter. Mais ensuite, bien sûr, comment exprimer la volonté du peuple sans qu'on soit obligé de consulter le peuple tous les jours sur tous les détails. Et ce que Rousseau avait déjà conceptualisé à travers la volonté générale va s'enrichir de l'expérience justement des révolutionnaires et va nous donner ce que nous avons aujourd'hui, notre régime parlementaire. Enfin, on n'est pas dans un régime parlementaire. Nos institutions parlementaires va nous donner cela, ou l'expression de la volonté générale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos générations sont confrontées à une interpellation sur l'enrichissement de cette volonté générale. Comment ouvrir les institutions à la parole citoyenne pour que les citoyens ne se sentent pas constamment exclus des institutions et aboutissent, comme aujourd'hui, à une désaffection vis-à-vis de la politique. Donc, en France, tout ça, ça fait plus de deux siècles que la gauche façonne... précise, meule, ponce, polie ses idéaux, précise sa vision de la société et a construit à travers le temps, par les conquêtes sociales, par les luttes sociales d'abord, par les conquêtes sociales, par toutes ces dispositions, notamment des lois d'émancipation de l'individu, par tout ce qui permet à l'individu d'acquérir l'autonomie, par l'accès au savoir, par l'accès à l'emploi, par l'accès aux responsabilités, etc., la gauche a tracé comme ça ce chemin à travers l'histoire. Et puis, bon, la droite, enfin bon, il faudrait que quelqu'un de droite vienne en parler, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail, mais bon, il y a une droite républicaine dans ce pays qui a aussi, elle, forgé son histoire. Et moi, je la supplie d'ailleurs de redevenir républicaine. Donc, voilà, on ne peut pas dire, et nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Et dans une démocratie, les divergences d'opinion peuvent s'exprimer, disposent d'un espace pour s'exprimer. Donc pourquoi nous appauvrir en n'utilisant pas cet espace, en disant qu'on peut tous s'embrasser sur la bouche, ce qui peut se faire d'ailleurs, on peut tous s'embrasser sur la bouche parce qu'on n'a pas de divergence politique et que droite et gauche c'est pareil. Non, ça n'est pas pareil. Ça n'est pas pareil dans le rapport au service public, ça n'est pas pareil dans le rapport à l'éducation. Et il y a eu des batailles très rudes
En France, vous connaissez Loi Fallou, etc. Lisez ce que Victor Hugo dit pendant les débats sur la loi Fallou, ce qu'on appelle depuis ce temps-là l'enseignement libre. Lisez ces déclarations fines, précises, percutantes et terriblement tranchantes. Donc il y a eu des combats, la vision n'est pas la même. L'éducation pour tous, gratuite. Tout le monde en politique ne pense pas que ça fait partie du progrès social. Donc toute l'histoire de la France, toute l'histoire, y compris juste législative de la France, est fondée sur la confrontation entre les visions de gauche et les visions de droite, entre les idéaux de gauche et les idéaux de droite. On ne peut pas débarquer là aujourd'hui et dire que pendant des générations, les gens se sont battus pour des leurs, pour rien, pour de fausses différences. Donc voilà, moi je pense que moi j'éprouve un respect mais immense pour les générations qui se sont battues avant nous. Moi je sais ce que je leur dois et je vis constamment dans la conscience de ces créances que ces gens ont sur ma vie, de ce devoir que j'ai, jouissant de liberté, de liberté diverse hein, au pluriel. De vivre dans un monde où on peut dire que la dignité humaine est inaliénable. Alors on constate à tous les coins de rue qu'elle n'est pas respectée. Mais on peut le dire et c'est audible. Et il y a des énergies, des gens qui ont fait une réalité. Donc moi j'estime que vis-à-vis de ces personnes-là, qui parfois ont payé de leur liberté, parfois ont payé de leur vie, je n'ai pas le droit de venir confortablement et de déclarer la droite et la gauche, c'est pareil. Alors vous invitez les jeunes notamment à s'engager, à prendre part au débat, mais pour ça il faut qu'ils aient les outils, et ces outils ça passe par l'éducation. Là aussi vous citez Condorcet cette fois-ci, qui dit « Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave ». Est-ce que sur l'éducation, ce grand sujet, les batailles qu'a menées la France, ont été perdues ou pas assez menées? Alors je vais lui chercher des histoires. Parce qu'il évoque Condorcet, dont je parle effectivement dans le livre, qui a écrit des choses absolument fabuleuses, qui était très très engagé pour l'instruction publique. À l'époque, ça s'appelait l'instruction publique. Engagé sur de très belles causes aussi, comme la lutte contre l'esclavage, pour l'abolition de l'esclavage, donc l'éducation, l'esclavage et l'égalité entre les femmes et les hommes. Sauf que Condorcet était inspiré par Sophie de Grouchy. Et comme je parle de Sophie de Grouchy, vous auriez pu quand même commencer par Sophie de Grouchy. Qui était donc l'épouse de Condorcet et qui, mais c'était une époque où les femmes, voilà, on considérait qu'elles étaient indécentes juste d'avoir un cerveau. Donc elles écrivaient, leurs écrits avaient moins de chance d'être publiées, de circuler. Elles étaient souvent d'ailleurs cantonnées dans le registre épistolaire. Voilà. C'est féminin, les lettres. Alors, c'est vrai que nous savons en écrire de belles. Mais nous aimerions en recevoir de belles aussi, messieurs. Donc, Condorcet, sous la forte influence de Sophie de Grouchy, était effectivement très très attaché à l'instruction, et je crois que toute personne qui souhaite le progrès humain sait que ça commence par l'instruction. Ça commence par l'instruction, et l'instruction couvre tous les champs. C'est la connaissance objective, celle qui relève par exemple des sciences dures, vérifiables. C'est la connaissance subjective dans sa dimension collective, je pense aux sciences humaines, aux sciences sociales. Et puis, c'est le bonheur de la connaissance, c'est-à-dire tous les arts, les beaux-arts, les arts, toutes les formes d'expression culturelle et artistique. Donc, ça va de l'architecture au cinéma, en passant par la littérature, par le théâtre, tous les arts vivants, par la peinture, y compris le graphisme. Vous savez que Derek Walcott est décédé, c'est un grand poète saint-lucien de la Caraïbe.
est décédé hier. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1992. Derek Walcott disait que la poésie est la sueur de la perfection. Donc il y a tout ça, mais il faut y avoir accès, il faut le donner aux enfants. On fait des citoyens équilibrés, heureux, ouverts aux autres, généreux, si on leur ouvre grandes les portes des beautés du monde. Donc l'instruction, c'est essentiel. Alors est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait pour l'éducation ? Là, ça nous ramène encore à la conception que l'on peut avoir du service de l'éducation. C'est un service public. Il faut faire en sorte que le service public soit accessible à tous les enfants et gratuitement, comme ça a été déclaré dans notre législation dès 1882-1883, les trois grandes lois de Jules Ferry. Pour autre chose, Jules Ferry, ce n'est pas un copain, hein, mais bon. Pour ça, son travail est incontestable. Pour sa conception de la colonisation, j'ai encore des comptes à régler avec ses mannes. Le président de la République a fait de l'éducation une priorité. Il lui a donné les moyens. Il lui a donné les moyens en effectif, il lui a donné les moyens matériels. Il y a eu la loi, dès le début du quinquennat, de refondation de l'école. Il y a eu la charte de la laïcité. Sans doute qu'il reste encore beaucoup à faire, parce que, d'abord, c'est notre service public le plus précieux. Il est massif, forcément, parce que nous avons l'ambition de scolariser tous les enfants, et de plus en plus jeunes. C'est une institution qui appelle des réformes de fond en profondeur, qui demande du temps, qui demande des évaluations. Sans doute qu'il reste à faire. Mais ça n'est pas un service public qui a été négligé. Alors Condorcet ou Sophie de Grouchy avaient aussi dit il faut former des citoyens difficiles à gouverner. Ça, c'est réussi, quand même, en France. Oui, il a dit ça, Condorcet. Hein, il faut que l'école forme des citoyens difficiles à gouverner. C'est fabuleux, ça. Moi, je suis d'accord. Et vous avez raison que ce n'est pas difficile en France. Des gens difficiles à gouverner, ça n'est pas difficile à trouver en France. Mais c'est aussi la condition de la vitalité de la démocratie. Je veux dire que si les citoyens deviennent très, très disciplinés jusqu'à être passifs, la démocratie entame ses derniers jours. Il faut que les citoyens soient là, qu'ils soient remuants, exigeants. Mais pour ça, effectivement, il faut mettre le savoir, la connaissance à leur disposition. Parce que le citoyen n'a pas raison juste parce qu'il est citoyen. Il ne faut pas céder à la démagogie. S'il se trompe, il faut lui dire qu'il se trompe. Mais il faut lui mettre à disposition les éléments qui lui permettent d'évaluer, d'analyser, d'apprécier, et donc de savoir. Donc moi, je suis contre les pouvoirs qui viennent et qui assènent des vérités et imposent des décisions. Je suis aussi contre la démagogie qui consiste à faire croire aux gens, parce que vous êtes le peuple, vous savez tout, vous avez tout compris, surtout si on ne vous donne rien comme information. Je suis très, très attachée à la démocratie. La démocratie, c'est un système où il est prévu que les gens soient remuants, que la parole soit un peu énervée même, qu'elle s'élève. La démocratie nous permet ça. Et nous devons être conscients de vivre en démocratie. Nous devons être conscients que nous vivons dans un système où des espaces sont prévus pour exprimer notre adhésion. Ce n'est pas interdit de le faire quand même, de temps en temps, de dire que quelque chose est bien. Et exprimer aussi nos désaccords. Alors une dernière question, si vous voulez bien, avant de passer la parole au public, parce qu'on est dans l'actualité chaude, là aussi, votre combat, bien sûr, il est aussi contre les forces, bien sûr, de l'extrême droite, qui, vous le dites, accomplit l'exploit d'appartenir à l'élite, naviguer dans les turpitudes du système financier national, européen et international, qui contourne les règles du système judiciaire, parasite le système institutionnel, se perche sur le système administratif pour en tirer profit, monter à califourchon sur la République pour la dépraver, se vautrer dans toutes les libertés offertes par la démocratie pour tordre le droit afin de réduire les droits des autres, mener une vie de notable et se proclamer anti-élite et anti-système. Ainsi prospère la direction d'un parti dont l'inspiration est largement antinationale. Comment expliquer qu'apparemment, quoi qu'il fasse et quelle que soit cette turpitude, ce parti semble ne pas cesser de monter ?
Oui, alors j'ai un chapitre qui commence par c'est le casse du siècle. Parce que vraiment, il y a une aptitude, il y a dans ce parti une aptitude à s'emparer de tout, à tout pervertir et à se donner des apparences fréquentables. C'est une aptitude absolument époustouflante qui ne tient pas qu'à leur génie. Parce que on aurait perçu les traces de ce génie dans l'expression publique des dirigeants. Donc, j'ai cherché les raisons. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, puisque ça n'est pas un génie placé, en tout cas, au-dessus de nous, d'une autre. Et ce que j'en déduis est quand même plutôt angoissant et un peu oppressant, en tout cas pour moi. Donc, dans ce chapitre, j'explique la filiation intellectuelle et idéologique de ce parti politique et toutes les traces de cette filiation, parce qu'il ne s'est pas débarrassé de tout. Malgré son vernis, malgré ce dont il s'enrobe, il y a des choses qui pointent. Et on voit bien, souvent, constamment, il y a des scandales. Constamment. Bon. Donc, il ne s'est pas débarrassé de cette filiation intellectuelle et idéologique. Mais il essaie de se parer de vertu et d'être présentable. La différence profonde, c'est que ce parti a décidé de conquérir le pouvoir. Et c'est ce qui justifie toute cette stratégie de présentabilité. Sauf qu'évidemment, constamment, les choses ressurgissent. Mais que tout cela, on peut l'observer si personne n'en était dupe. Le problème, c'est qu'on observe que, quelle que soit la nature et la gravité des turpitudes de ce parti, sa cote monte. Son électorat se stabilise ou augmente. Donc, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas dupes ? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait, moi, la question que je me suis posée, qu'est-ce qui fait que tant de Français soient dupes ? Et j'en ai déduit que, finalement, ils ne sont pas dupes. Pas tous. Et que, finalement, ils n'attendent pas de ce parti qu'il soit dirigé par des gens honnêtes et intègres. On a vu les derniers développements d'une pratique illégale, frauduleuse. Et que dit la direction de ce parti ? Il ne vient pas dire « je n'ai pas fait ». Il dit « attention les enquêteurs et les juges là ». C'est-à-dire que la direction de ce parti, j'avais déjà écrit le livre avant... Mais ça veut dire que la direction de ce parti ne se fatigue même pas à dire à ses électeurs « Nous voulons conquérir le pouvoir, nous voulons régner sur vos vies, nous allons prendre des décisions qui vont avoir des effets sur vos vies quotidiennes, sur votre avenir et celui de vos enfants, mais nous n'éprouvons pas le besoin de vous dire que nous sommes des gens honnêtes, que nous nous réclamons d'une grande probité, que nous sommes respectueux des lois, que nous allons nous asservir aux règles de la République et de la démocratie. » Ils n'éprouvent même pas le besoin de raconter ça. Ce serait un bobard. Mais ils n'éprouvent même pas le besoin de raconter ce bobard-là. Donc, au-delà de ces ruses, je m'interroge sur nous. Qu'est-ce qui nous arrive dans ce pays pour que autant de Françaises et de Français puissent se retrouver, accepter de s'identifier ou en tout cas d'être représentés par des gens pareils? Et pour moi, c'est ça le sujet qui vaut réflexion. C'est ça le sujet qui mérite que nous nous penchions. Ce parti va finir par se dégonfler, il va finir par... Parce que l'histoire nous donne de nombreux exemples, je ne joue pas à la clairvoyance divinatoire. On a ces exemples de conjonctions, de difficultés matérielles, objectives, d'inquiétudes, d'angoisses réelles, d'incompréhension du monde, d'un sentiment de perte d'emprise sur les vies
Les gens ont l'impression de ne pas maîtriser leur vie, de ne pas maîtriser leur avenir, de ne pas avoir accès aux puissants, aux gouvernants. Donc voilà, il y a eu d'autres périodes dans l'histoire et il y a eu ce phénomène aussi de fascination vers des espèces de leaders ou de dirigeants, de chefaillons, voilà, de gens qui disent voilà, amenez-moi toutes vos colères, toutes vos fureurs, toutes vos rages, je vais en faire quelque chose. Et la première chose que je vais en faire, c'est moi me hisser au sommet du pouvoir. Bon, on a déjà eu. Après, ça se dégonfle, on le sait. Bon. Mais donc, je crois que ce parti va connaître aussi sa trajectoire descendante. Mais qu'est-ce que ça nous dit d'un temps collectif que ce soit possible qu'un parti prospère sans renvoyer, même en maquillant, même en se déguisant, sans renvoyer l'effort de dire « je vais gérer les ressources publiques honnêtement ». Parce que quand même, c'est un minimum. Donc je crois que nous avons à nous interroger sur nous-mêmes parce que ça, cet instant de notre vie politique nous révèle des choses que nous devons porter, formuler, expliciter. Il faut arriver à mettre des mots dessus. Il faut parvenir à en débattre. Il faut interroger cela, ce que ça nous dit de nous-mêmes, de façon à l'expurger de son vice profond. Il faut qu'on l'extirpe de nous-mêmes, ça. Si on n'en parle pas, si on ne le décortique pas, on le laisse grossir. Et ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous, une dirigeante qui traverse l'Atlantique et qui va supplier le dirigeant de la Terre le plus sexiste, le plus misogyne, le plus xénophobe, le plus infréquentable, le plus dangereux. Le plus dangereux va le supplier de le recevoir. Enfin, nous, on est des gens fiers. Vous êtes d'accord qu'on est des gens fiers? On est tous des gens fiers. Donc, voilà, comment on accepte ça? Comment ça ne les pénalise pas? Ça aurait pénalisé un autre responsable politique qui va aux États-Unis, qui supplie d'être reçu, alors, par une immense lumière. Il n'est pas reçu. On dirait, bon, l'agenda a été chargé. Mais enfin, ne pas être reçu par... Mais ça n'a pas d'effet. Ça n'a aucun effet. Ça ne pénalise pas. Moi, je trouve ça quand même assez effrayant. Assez effrayant. Alors, déjà, il y a quelque temps, il y avait eu un sondage qui disait que 70% des Français désapprouvent l'évasion fiscale et est très sévère contre les évadés fiscaux. Suite du sondage, 70% des Français à qui on demande si vous aviez les moyens... 70% ont répondu oui, ils s'évaderaient. Alors, ils ne s'évadent pas en plus parce qu'ils restent à profiter des services publics, hein, de tout ce que nos contributions permettent, mais ils évadent leur richesse, leur fortune. Voilà. Donc, ça dit des choses de nous-mêmes. Aucun peuple n'est parfait et personne ne doit exiger que le peuple français soit un peuple parfait. Mais on peut se débarrasser quand même de ce qui est plus moche. Une conclusion, merci. Merci. Y compris pour... Je vous pardonne, ça aussi. Ah bon, c'est pardonné. Voilà une piste concrète pour avancer pour la suite. Merci, Mme Taubira. Donc on a... une vingtaine de minutes, un petit peu plus peut-être pour les questions du public. On va peut-être en prendre... En même temps. Ouais. Alors allez-y, j'en ai une ici et une là. Est-ce que quelqu'un aurait le deuxième micro? Ça m'aiderait un tout petit peu. Bonjour Madame Taubira. Je suis à droite, là-bas. Bonjour Madame Taubira. Je voulais d'abord commencer par dire mon émotion à vous voir aujourd'hui, à vous rencontrer. À venir vous écouter, votre combativité et votre liberté d'esprit sont des baumes dans une période aussi troublée que celle que nous connaissons.
et puis aussi une grande source d'inspiration. Enfin, voilà, je parle à titre personnel, mais j'imagine que ça peut être partagé par un certain nombre d'entre nous aujourd'hui. Récemment, lors du Festival Atlantide, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Mabankou lors d'une rencontre dans une maison de quartier à Nantes. Et puis, j'ai eu l'occasion de lui poser une question que je voulais vous poser aussi aujourd'hui. Je lui ai demandé en fait ce qu'il pensait de la déclaration d'Emmanuel Macron, qui, à l'occasion d'un déplacement en Algérie, a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. Monsieur Mabankou a trouvé que c'était bien imprudent de la part d'un candidat qui n'avait pas encore été élu de tenir ce type de propos. Et pour lui, en tout cas, il était nécessaire, enfin, pour arriver à cette conclusion, il était nécessaire d'abord de convoquer des collèges d'experts, notamment d'historiens, pour pouvoir interroger cette question. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Voilà, et merci encore de votre présence aujourd'hui. Merci. Bonjour. Merci de votre présence, merci de votre bienveillance et de votre empathie qui manque cruellement au personnel politique et de votre force qui vous attire malheureusement la foudre récurrente de vos opposants politiques. Mais nous sommes là, derrière vous, très nombreux, je pense, à travers ce pays et au-delà de ses frontières, à reconnaître que vous êtes utile. Je voulais aborder la question linguistique qui est très présente dans votre ouvrage, les mots qui manquent parfois parce que la gauche a démissionné de certains mots, et derrière les mots il y a les valeurs. Les valeurs sont aujourd'hui altérées dans un débat qui a laissé une grande place au libéralisme évidemment, mais aussi dans le domaine économique, mais pas seulement, mais aussi à tout un tas de dérégulations. Et les mots eux-mêmes sont dérégulés, vous l'abordez à de nombreuses reprises. Et c'est très important que vous nommiez vous-même cela. Ça m'évoque aussi, du coup, la place de la langue française, la francophonie, qui devrait être presque au cœur de nos préoccupations internationales, puisque l'avenir, ne serait-ce que du continent africain, devrait nous dicter de donner encore plus de force à la langue française. Et pour finir, je voudrais avoir votre sentiment sur peut-être ce que la gauche a aussi renoncé dans le domaine culturel, justement, dans le domaine artistique, en tournant le dos ou en tout cas en déconsidérant la place des artistes dans la société, la place des œuvres d'art, et en n'acceptant plus que ces artistes soient visionnaires et éclairent le monde, ce que vous rappelez régulièrement dans vos ouvrages et dans vos prises de parole, souvent en les citant. Merci. Et la troisième. Bonjour. Vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de la montée du Front National. Je trouve qu'il est parfois difficile. Où êtes-vous ? En haut, à droite. En haut, à droite. Là. Ah oui. Ah, en haut, carrément. Ah, pardon, à gauche. J'ai des problèmes avec ma droite et ma gauche. vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de la montée du Front National. Je pense qu'on est très nombreux là, à avoir peur de l'issue des prochaines élections. Et moi, en tout cas, parfois, je me demande comment faire, c'est-à-dire comment faire pour... faut-il suivre le Front National dans sa volonté d'être dédiabolisé ? Ça a été le parti de la presse, mais est-ce que la presse a eu raison ? Et nous, comment accepter l'existence du Front National et de la parole du Front National dans la vie démocratique ? Donc comment ne pas être sectaire, mais tout en luttant contre eux ? Merci pour vos propos, notamment lorsque ils sont très très cordiaux et ce sont jamais des mots inutiles parce que moi j'ai besoin de vous aussi. J'ai besoin de ce que vous me renvoyez. Lorsque je viens ici un peu aussi comme une sorcière d'Amazonie. Elles sont bienveillantes, les sorcières d'Amazonie. Je viens. Voilà, recevoir de l'énergie, du courage, de la force. Et j'en trouve toujours. Donc voilà pourquoi j'aime ces rencontres-là. Donc vos mots me sont à la fois utiles et précieux.
Donc merci de prendre le temps de les prononcer et de manifester. Voilà, c'est pas, il n'y a aucune vanité chez moi, ni aucun narcissisme. Ce sont des choses que je n'ai pas. C'est une infirmité que j'ai reçue à ma naissance. Et donc voilà, pour moi, des applaudissements, ça n'est pas une flatterie. C'est une transmission. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, vraiment. J'éprouve une émotion profonde. Et ce qu'il y a de plus beau, justement, ensemble, ce sont les émotions. Il y a un grand écrivain, je n'aime pas l'homme parce qu'il a pris des positions qui n'étaient pas belles à son époque, et qui, bon, c'est Jorge Luis Borges. Sans doute, nous sommes dans une université, sans doute qu'il y a des personnes qui le connaissent, mais qui a une écriture absolument fabuleuse. En tant qu'homme, il n'est pas intéressant. Ouais, parce qu'il a dit des choses sur des dictateurs qui étaient... Bon, voilà, c'était... Les dictateurs ont tué des gens, quoi. Hein, donc, serrer la main de Videla en Argentine, trouver que Pinochet était fréquentable, c'était quand même... Bon, voilà, c'est... Mais il a une plume. Il a écrit des choses fabuleuses. C'est Jorge Luis Borges. Et il a dit que lorsque... Il a écrit que lorsqu'il avait vu la libération de Paris... Il a été saisi par le fait que des émotions collectives pouvaient ne pas être ignobles. Moi, je trouve cette phrase absolument fabuleuse. Absolument fabuleuse. On sort quand même du nazisme avec une exploitation des émotions collectives, une exploitation absolument monstrueuse et absolument à vraiment son sens intrinsèque et étymologique. Et à la libération de Paris, donc voilà, il observe et il dit « Mais alors, des émotions collectives peuvent ne pas être ignobles. » Ça nous fait un lien entre ce que je vous disais là et la dernière question à laquelle je vais revenir tout à l'heure. Sur la colonisation, crime contre l'humanité. Donc, je ne vous cache pas que je suis assez agacée depuis plusieurs semaines que ce sujet soit en débat de cette façon-là. Je ne suis pas sûre que l'auteur du propos l'ait introduit délibérément. On ne peut pas, par inadvertance, introduire un tel sujet. Et je ne suis pas sûre qu'il ne l'ait pas fait par inadvertance. Je ne suis pas sûre qu'il ait pesé sa phrase pour en déduire toutes les conséquences. Parce que la première des conséquences eût été, dans la phrase suivante, immédiatement, de dire « si j'étais élue, je prendrais telle initiative ». Par exemple, un projet de loi présenté devant le Parlement pour reconnaître la colonisation comme crime contre l'humanité. Donc, est-ce qu'un sujet aussi lourd doit revenir en débat, parce qu'il a été par période, et il reviendra en débat, parce qu'il n'est pas expurgé de tout ce qui nous enseigne, ni de tout ce qu'il a produit sur la vie de générations qui en ont encore une mémoire vive. Hein. Je trouve, voilà, je pense qu'un sujet aussi lourd ne doit pas venir en débat de cette façon-là. Il est lourd en soi, parce que la colonisation, voilà, ce sont des massacres, ce sont des crimes de masse, vraiment. C'est une impunité organisée sur ces crimes. C'est un moment de grande monstruosité dans les rencontres entre le monde. Il faut lire le discours sur le colonialisme, où avec des mots extrêmement lyriques et forts, et c'est ce qu'il y a de particulièrement à la fois inestimable et profond dans la langue française, c'est que il y a des mots, lorsqu'on les agence, qui donnent une musicalité et une beauté d'envol et de légèreté, et qui en même temps posent des choses extrêmement lourdes et extrêmement graves. Bon. Et dans le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, il y a cette beauté lyrique de la première à la dernière phrase. Et en même temps, il n'y a aucune complaisance dans la description de ce qu'est le colonialisme. C'est du domaine de la force.
c'est du domaine de l'épicerie. Ce n'est pas un partage de Dieu ni de culture. C'est, voilà, et tout ce discours dit ce qu'est le colonialisme, qu'on perçoit déjà dans le cahier d'un retour au pays natal, mais qui est dans le discours du colonialisme. Donc c'est extrêmement lourd pour ce que ça a représenté pour des personnes vivantes, charnelles, des personnes qui souffrent, des personnes qu'on a mutilées. Il y a eu deux périodes, la première période coloniale de la traite négrière et de l'esclavage et la deuxième période de l'occupation des territoires, du pillage des ressources, du travail forcé. Voilà. On a mutilé des gens, on a massacré des gens, des enfants. Et on l'a raconté à l'époque. On l'a raconté. Il y a des articles dans des journaux. La prise de Thouars, par exemple, par Loti, est racontée, publiée dans l'Aurore. Oh, Le Figaro, peut-être. Raconté. Les massacres à Madagascar, tout ça est raconté. Ils disent cette vapeur qui s'élève de la ville. On leur avait dit de ne tuer que les hommes, mais emportés par le goût du sang, ils ont tué les hommes, ils ont massacré les hommes, les femmes et les enfants. Ils nous rapportent des baquets pleins d'oreilles. Oui, je parle bien d'oreilles. C'était l'horreur de cela. Donc, des gens ont physiquement souffert. Des cultures ont été anéanties. C'est un sujet extrêmement lourd. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui en ont, je le disais, encore la mémoire vive, les souvenirs transmis. Donc, ça n'avait rien à faire là. Ça n'avait rien à faire là. Est-ce qu'il a pensé crime contre l'humanité dans le concept juridique de droit qui est inscrit dans le droit français depuis 1962 et qui a été précisé dans les conventions internationales, qui est né évidemment à Nuremberg? Est-ce qu'il a pensé crime contre l'humanité du point de vue politique, éthique, donc plus largement que le concept juridique, qui doit être construit, défini avec des bornes de façon à ce qu'une justice se prononce? Est-ce qu'il a réalisé que le crime contre l'humanité est imprescriptible? Donc, qu'est-ce qu'il en tire comme conséquence? C'est vraiment juste beaucoup trop lourd pour que ce soit un débat comme ça. Donc, voilà. Bon, je ne sais même pas comment finir ça, là, moi. Sur la langue, j'ai commencé à vous dire la beauté de la langue. Moi, elle m'apporte beaucoup de bonheur, la langue. Elle m'apporte beaucoup de bonheur parce que, je disais, elle a une musicalité particulière. Et sont des musicalités singulières. C'est-à-dire qu'avec les mêmes mots, chacun d'entre nous fait autre chose. Sans perdre de vue le contenu des mots. Les mots ne sont pas creux, ils ne sont pas vides. On ne met pas ce qu'on veut dans les mots. Les mots transportent leur histoire, les débats qu'ils ont suscités, les dérives qu'ils ont subies, les occupations intempestives aussi qui ont été faites parfois, les détournements. Il y a un chapitre sur la crise. Voilà, la crise. Mais quand on commence à décortiquer, qu'est-ce qu'on met dans la crise? Et puis le chapitre d'après, c'est justement sur les mots, l'importance des mots. Donc c'est une langue... Et je dis cela sans chauvinisme imbécile, hein, parce que je parle d'autres langues et que j'aime les langues. J'aime le son des mots, y compris les langues qui se sont dépouillées ou en tout cas ne se sont pas enrichies de fantaisie. Dans la langue française, vous pouvez avoir 15-30 mots presque pour une même chose. Bon. Et dans des langues de communautés humaines qui n'ont pas de grands territoires, qui n'ont pas de rayonnement, il y a parfois, compte tenu de leur environnement, plusieurs mots aussi pour dire la même chose. Parce que ça dit, dans des territoires où l'eau est très importante, vous avez beaucoup de mots pour dire l'eau. Parce que ça dépendra de la température de l'eau, de sa couleur, du lieu d'où elle coule. Voilà, ça dépendra d'un tas de choses. Chaque paramètre est pris en considération et la langue s'est enrichie de multiples façons de dire l'eau. Donc les langues ont cela comme mystère, mais qu'elles ne nous dévoilent
que si nous prenons le temps d'y entrer en curiosité, en regardant partout, en nous retournant, en avançant, en revenant sur nos pas, les langues nous révèlent ça. Évidemment, la langue française est... Alors, ma langue maternelle, en principe, c'est le créole, mais je suis d'une génération à qui on a interdit de parler créole. Donc, évidemment, comme l'interdit est savoureux, donc nous avons quand même parlé créole. À l'école, nous parlions créole, mais en cachette, dans la cour de récréation, parce que les parents veillaient à la maison, c'était impossible, sauf dans la cour de la maison, quand les parents n'étaient pas là. Et à l'école, c'était possible, dans la cour de récréation, quand les enseignants étaient hors de portée d'oreille. Donc moi, bon, voilà, j'ai ces deux langues-là, le créole, le français, mais évidemment, les langues qui m'accompagnent depuis le plus longtemps dans ma vie sont le créole et le français. Mais pénétrer l'anglais aussi, je pénétrais le brésilien, je pénétrais l'espagnol, voilà, ce sont des langues. Et quand je vais à l'étranger, je demande comment on dit bonjour, merci, vous êtes aimable, j'aime vos paysages. Est-ce que vous avez beaucoup d'auteurs et de poètes? Donc je demande comment on dit ces phrases-là. Donc la langue nous arme d'une façon extraordinaire parce que la langue nous révèle déjà notre imaginaire commun. Cet imaginaire que nous faisons nous-mêmes fructifier, mais sur une base commune. Donc la langue nous révèle ça d'abord. Et la gauche avait du vocabulaire comme la droite a du vocabulaire. Du vocabulaire qui dit son histoire, qui dit ses idéaux, qui dit sa doctrine, qui dit ses ambitions, qui dit ses combats. Et c'est vrai que la gauche a beaucoup renoncé à ça. Elle a beaucoup renoncé à son vocabulaire. La gauche s'est mise à parler un peu comme la droite, mais surtout comme les précis d'économie et les précis d'économétrie, surtout. Surtout. Donc ça a beaucoup appauvri le vocabulaire. La langue est devenue moins belle. Vous écoutez, elle ne chante pas, elle ne vous emmène pas en voyage, elle ne vous dit pas où nous allons ensemble. Or la langue doit faire ça, et elle fait ça. Donc oui, la gauche a perdu beaucoup de cela, mais voilà, ça n'est pas dramatique, parce que je crois qu'il y a encore de la gauche dans le pays, qu'il y a encore ce vocabulaire-là dans le pays, il y a encore cette conscience et cette connaissance de ce que cela représente, il y a encore à la fois ces héritiers, celles et ceux qui font encore vivre ces combats-là. Donc, lorsqu'on est nombriliste dans le monde politique, on est désespéré parce qu'on se dit, enfin, où est passée la gauche? Ça n'est pas là qu'il faut la chercher. Et il faut que ça émerge de la société. Faites irruption dans la politique. Moi, je rencontre de plus en plus de jeunes étudiants, mais aussi de jeunes trentenaires, qui me disent, bon, finalement, j'ai envie de m'engager. Mais pour moi, c'est vraiment bingo. J'ai envie de m'engager. Alors, parfois, ils me disent, oui, mais la politique. Je dis, ben oui, mais peu importe. Retenez que les partis politiques sont indispensables dans une démocratie. Ils sont tous en déliquescence, c'est absolument indiscutable. Et moi, ça me désespère, l'état des partis politiques. Ça me désespère parce que ce sont fondamentalement des lieux démocratiques. Ce sont des lieux de rencontre des citoyens pour penser la vie commune, pour penser la société, pour penser la cohésion sociale, pour tracer des rêves, pour les dessiner et pour décider de les poursuivre en commun, de nous revoir, de nous mettre ensemble, de nous disputer sur ces rêves-là. Et de les faire assez grands, comme disait Oscar Wilde, pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Donc les partis politiques sont nécessaires pour ça. Mais ils sont en très mauvais état. Mais il ne faut pas tout jeter. Il faut les renouveler. Il faut les occuper. Voilà. Il faut remercier très poliment leurs directions actuelles. Et voilà, renouveler... Et la place des artistes et des arts est essentielle pour nos équilibres. Hein, pour nos équilibres. On est tous tellement mieux après avoir lu un poème ou un bon roman ou un essai intelligent, après avoir vu une belle exposition,
après avoir flâné et regardé le paysage, y compris en train pour venir à Nantes, regarder les paysages traversés, écouter une très belle chanson ancienne de Barbara ou une récente, écouter de la musique, chercher les passerelles entre les formes musicales, comment le jazz a dialogué avec la musique classique. Souvent, on ne le sait pas. Mais il y a eu des rencontres entre le jazz et la musique classique. Et les deux, ce sont des musiques qui sont extrêmement chargées de l'histoire des peuples, de la passion des peuples. Le jazz, c'est toute l'histoire de la résistance à la traite négrière, à l'esclavage. C'est vraiment, au départ, la nostalgie, la mélancolie, et puis une joie qui éclate, une capacité à se sentir ce qu'on est profondément, qu'on n'a jamais cessé d'être, un être humain, alors qu'on a un régime bestial, mais qu'en plus, on a des lois qui disent que nous sommes des meubles. Le Code noir disait que les esclaves sont des meubles et sont donc la propriété de leur maître. Dans les livres de comptabilité, les esclaves sont à la ligne du cheptel. Et en même temps, ça fait ce que l'être humain seul est capable de faire, créer. Créer de la beauté, créer de l'amour, créer de la tristesse, chanter, partager, faire circuler des sentiments profonds à travers des sons. Et l'on fait avec des instruments complètement improvisés. Et puis après, ils ont adopté des instruments parce que de toute façon, il y a des rencontres. Les maîtres viennent d'Europe, voyagent pas nus, quoi qu'ils pensent, voyagent avec leur culture, avec leur mémoire, et ils transmettent ça, y compris en inconscience. Les esclaves capturés en Afrique ne sont pas arrivés nus, ils sont arrivés avec leur culture, avec leur chant, avec leur mémoire, et tout ça se rencontre. Et tout ça donne un syncrétisme. Et lorsque le blues, le jazz, le ragtime et toutes ces nouvelles musiques contemporaines qui sont issues de tout cela, quand tout cela s'élève, forcément, y compris de façon fortuite, ça côtoie les autres musiques. Et dans ces sociétés-là même, ça se rencontre. Les carnavals, par exemple, sont des rencontres de cultures. Chez nous, il y a des musiques traditionnelles qui ont l'impression de qui ont des empreintes de musique bretonne, belge, corse, et ça donne un nouveau son. Dans toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique centrale, toute la Caraïbe, dans le sud de l'Amérique du Nord, vous avez des expressions musicales très très originales. Mais vous creusez, vous descendez, la source est là. Et vous voyez un moment où des fleuves se rencontrent. Et la musique classique, à un moment, côtoie le jazz. Et des grands jazzmen, des gens comme Charlie Parker, comme Miles Davis, ces grands jazzmen, Lester Young, sont des gens qui ont aimé la musique classique. Charlie Parker aimait écouter Debussy, par exemple. Donc Miles Davis, il s'est aventuré dans le concerto des Aaron Quest, par exemple. Et voilà, donc... les musiques se parlent entre elles. Et c'est valable pour tous les arts. Pour tous les arts. Et vivre en humain, c'est se pénétrer de ça. C'est pénétrer ces univers-là. Et c'est vrai que les décisions politiques doivent rendre tout ça possible. Doivent rendre tout ça facilement accessible. Un enfant qui va au théâtre. Un enfant qui va dans un musée. Un enfant qui écoute des musiques diverses, un enfant qui apprend des paroles de chansons dans sa langue et dans d'autres langues, est un enfant qui grandit disponible pour le monde, capable de recevoir, d'entendre et d'émettre toutes les fréquences du monde. Et on ne peut pas parler de la paix dans le monde si on ne se demande pas comment se construit la paix. La paix ne se construit pas simplement dans des salles grises où les délégations militaires de chaque camp se retrouvent. Quand ça arrive, ça, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de destruction. La paix peut se construire sans la guerre, avant la guerre, pas seulement après la guerre.
Et la paix qui se construit sans la guerre et avant la guerre, c'est la paix qui est portée par chacune, chacun d'entre nous. Et nous la portons d'autant plus naturellement, même inconsciemment, que nous avons été préparés à recevoir toute la diversité et toute la complexité du monde. Tout ça pour vous expliquer pourquoi la gauche a perdu son vocabulaire. Sur le Front National, comment... Oui, il restait oui, ça aussi. J'ai un grand défaut, je fais des réponses interminables. Moi, ça a été... En entrant, je prends la résolution de faire des réponses courtes. En général, je respecte mes autres résolutions. Le Front National, dédiabolisé. D'abord, je vois alors que le Front National cherche à se dédiaboliser, ça fait partie des ruses et des astuces que j'évoquais tout à l'heure. Je ne vois pas qui d'autre peut s'en trouver obligé. Et vous avez raison, madame, de dire, est-ce qu'il était si nécessaire que ça, que... Alors, je prends des précautions si je dis des médias, des, je ne dis pas les, mais des, parce que je fais partie des gens qui pensent qu'il vaut mieux une mauvaise presse que pas de presse du tout. Donc je suis très, très attachée à l'existence des médias et à la liberté des médias dans une démocratie et dans la nôtre en particulier. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens baisser la garde. Pas que les médias, et peut-être avant les médias, les politiques ont baissé la garde. Avant les médias, je pense que les politiques ont adopté une partie du vocabulaire du Front National, des postures du Front National, des récits complètement fantasmatiques du Front National, des fixations du Front National. Donc les politiques ont été les premiers à sombrer. Et puis après, ça a été tentaculaire dans la société. Comment faire ? Conserver la vigilance. Conserver la vigilance. Démasquer la fourberie. L'expliquer. Ne pas être sectaire. C'est pas être sectaire que de ne pas avoir envie de fréquenter ces gens-là. Moi, j'en ai aucune envie. J'en ai aucune envie. Si une personne, un électeur du Front National, vient me parler, je vais l'écouter poliment. Je vais lui répondre s'il me pose une question, s'il me tient un propos, si les choses peuvent se passer en urbanité, en civilité, je vais lui répondre. Mais j'ai aucune raison de les fréquenter. Et surtout, je n'ai aucune envie de dire que c'est bien. Parce que il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse au rejet de l'autre. Il n'y a pas d'excuse à céder à la facilité de désigner un bouc émissaire et de le poursuivre. Il n'y a pas d'excuse à ça. Et il y a des tas de gens qui sont en difficulté dans la société et qui ne cèdent pas à ça. Mais j'aurais l'impression, moi, de trahir ces gens-là qui conservent leurs valeurs, qui conservent leurs principes, qui protestent parce qu'il y a lieu de protester quand la situation se dégrade, quand les gens sont inquiets, quand ils ont le sentiment que nous sommes mal gouvernés, quand ils ont l'impression qu'on ne prend pas les bonnes décisions, qu'on ne comprend pas bien les difficultés, les nouveaux défis de la société, les bouleversements économiques, les périls qui nous frappent, quand ils ont le sentiment qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne prend pas les bonnes décisions, ils ont le droit d'interpeller, ils ont le droit de protester, de critiquer, d'invectiver. Et il y en a qui le font, mais qui ne perdent pas pour autant leur chemin de... tolérance, de générosité, leur capacité au dialogue, l'acceptation de l'existence des autres. Mais celles-là, ceux-là, j'ai envie de leur dire que je les respecte. Plus que ça, je les aime. Je les aime. Donc, je ne vois pas pourquoi celles et ceux qui ne sont pas forcément d'ailleurs en difficulté matérielle, pas tous, considèrent que c'est bon de ramasser voilà, tous les boucs émissaires qu'on leur propose, de se croire encerclés d'ennemis imaginaires, de s'imaginer disparaissant, terrassé par
on ne sait quel diable qui nous vient de... Je veux bien leur parler, enfin bon, ils peuvent juste écouter aussi, je suis pas obligée d'aller leur parler, ils peuvent écouter. Donc moi, je n'ai pas de recette pour vous dire comment ne pas être sectaire tout en les combattre sur les idées, les démasquer. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie d'un bout à l'autre. Dans le chapitre où je parle de ce casse du siècle, en évoquant des faits précis, exacts, identifiables, je peux utiliser des mots comme chapardage, brigandage, vol, machin. C'est vraiment une délinquance spécialisée. Donc il faut démasquer cela. Il faut le poser là, très clairement, pour que ceux qui sont dupes cessent de l'être. Et ceux qui délibérément veulent, peuvent continuer s'ils veulent. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment être de plus en plus ce que nous sommes. C'est ça la réponse. Être de plus en plus ce que nous sommes. Et c'est ce qui va vraiment trancher de plus en plus clairement avec ce chemin qui est un chemin d'impasse, qui est une impasse. C'est ce qui va trancher et qui va sans doute ramener celles et ceux qui se laissent embarquer dans ces passions tristes et laides qui produisent des attitudes hargneuses, des propos inacceptables et qui nourrissent cette époque funeste que nous avons le... sentiment et pas seulement sentiment de traverser. Voilà. Je n'ai pas de mode d'emploi là. Je vous dis ce que je ressens, comment je me comporte moi, mais je n'ai pas de mode d'emploi. Mais on ne peut pas les dédiaboliser parce qu'ils sont dangereux pour la société, pour la démocratie et pour la République. Ils sont dangereux pour la République parce qu'ils ne conçoivent pas que nous puissions être égaux dans la société en étant différents. Chaque différence est stigmatisée. Et ils sont dangereux pour la démocratie parce qu'ils ne respectent pas les règles, hein. Ils ne respectent pas la loi. Et quand ils ne respectent pas, ils ne s'excusent pas. Eh bien, merci à Madame Taubira d'être venue nous parler de cette... C'est fini ? Thank you.